Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Resident Evil 0 HD Remastered, le scorpion géant, n'est-ce pas? Il semblerait que mon chemin soit bloqué par un scorpion géant. À la carapace dure. Et j'ai comme l'impression qu'il va me falloir une arme bien spécifique, comme par hasard, pour pouvoir avancer plus loin dans ce train. À savoir, un certain fusil qui, par un hasard absolument incroyable, se trouve être posé pile poil à portée pour affronter le terrifiant céphalopode terrestre. Non, en vrai, c'est, le scorpion, c'est pas un céphalopode, mais bref, vous avez compris l'idée. En vrai, un scorpion, c'est un animal de la famille des scorpidés, je crois. Je sais plus exactement, hein, mais c'est un truc comme ça. Allez, vas-y, fusil de chasse, PUBG like, tout ça, tout ça. Mais au moins, on peut laisser son inventaire posé par terre pour faire le truc, which is nice, c'est bien, ça change. Apparemment, ça marche pas. Ok. Que faire, coiffeur? Pas envie de mourir, hein, parce que sinon je me retape tout depuis la seule sauvegarde. Non, la deuxième sauvegarde. Faut quand même pas que je cours. Faut quand même pas que je cours. Faut quand même pas que je cours. Non, faut quand même pas que je cours, hein, hein. Bon, on va voir. Ça va mal se passer. Ça, c'est une certitude. Je veux pas mourir, je veux pas mourir.
Va faire le foufou, je vais aller chercher le spray, hein. Hein. J'ai le jeu, mais les caméras, c'est embêtant. Un peu, ouais. Un peu. Un petit peu. Un tout peu. C'est pour ça que R4 était aussi révolutionnaire quand il est sorti à l'époque, parce que... Une vraie caméra! Caméra à l'épaule. En plus, j'en discutais avec un pote il y a pas longtemps et il a dit un truc auquel j'avais pas forcément pensé, mais qui est totalement vrai, que Resident Evil 4 a complètement démocratisé les TPS. Parce que même s'il n'a pas inventé, on n'a qu'à regarder le nombre de TPS qui sont sortis après R4, c'est assez hallucinant. Ok. D'où il est ok? Il s'est pris des mandales de scorpial et il est ok? Comment? Vous pouvez pas laisser ça ici. Il dit ça parce qu'il n'y a pas la place ou... Ah, ah les petites, la petite lagounette, la petite lagounette là. Comment ça je peux pas laisser? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est parce qu'il n'y a pas la place ou... Mais non, je suis pas d'accord. Ah, je préfère, hein. Putain. Bon allez, prends tes trucs. Prends ça aussi. Ils ont coupé au niveau du couteau. Il dit le pic qui prend le couteau. Je suis désolé YouTube, hein. Je sais que ces premiers épisodes sont un peu chaotiques, mais je m'acclimate au jeu et c'est un peu difficile. Vraiment. Je sais. Bon. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Oh, on va y arriver. Par contre, j'espère que le jeu est pas extra court, mais j'espère également qu'il n'est pas extra long. Parce que si c'est ça tout le temps, tout le long du jeu, pendant 10 heures, je vois pas comment ils peuvent tirer 10 heures de gameplay dans un train. À moins qu'il y a autre chose qu'un train. Hein, ça, c'est imaginable également. On verra.
je verrai. Je verrai. Allez, donc ça, c'est pour ça. On est d'accord, il n'y a pas de doute. Voilà. C'est très logique d'ailleurs d'avoir une trappe qui s'ouvre. Ouais. Pic à glace. Ouvrez-les. Oui. Loup. Ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. Comment le type pourrait savoir qu'elle a besoin d'un pic à glace? Ça n'a pas de sens. Ils se sont pas appelés à la radio. Ah, salut. Hey, salut. Trop bien le pic à glace, eh. Trop bien, eh. Super. Bref. Bon, tu viens. Allez, on va chercher le fusil de pompe. Parce que voilà. Enfin, c'est pas un fusil à pompe, mais c'est un fusil, voilà. Vous avez compris. Zbara et mon colonel. Attends. Le PNJ tire, mais est-ce que ça lui bouffe ses munitions? Du coup, me voilà pris d'une envie soudaine et incontrôlable de me ôter son arme. Parce que voilà. Je vais probablement pas faire ça. Le jeu, il est en coop? Online? Non. Non, je pense pas. C'est pas... Donc le mec s'est pris des chenilles d'un scorpion géant. Il est en ok, il se fait mordre une fois, il est en attention. Non mais je crois pas qu'il l'ait. Je pense pas qu'il l'ait. Parce que j'imagine mal comment ça fonctionnerait, quoi. Ouais, quoique, hein, voilà. Capcom, on a déjà été surprenant plus d'une fois. Alors. Nope. Ce que je veux, moi... Rebecca Chambers, c'est ça. Nope. Ah, c'est... Merci. Combinard. Voilà, bravo. Utiliseur. Ah. Salut, utiliseur, sur celui qui l'utilise.
Oh là là. Oh putain là. Oh putain. Bon, tu prends le... Est-ce que tu... Prends ton coutal. On sait. Nous sommes au courant, nous sommes au courant. Là, t'as plein de son inventaire. Du coup, ça veut dire que le sbire, là, quand il a plus de munitions, il sert plus à rien. Il est juste là pour être bouffé. Et faire fail la game. Je pense pas que je vais apprécier l'expérience de ce jeu. Je vais le faire, hein, je vais le finir, je vais y aller au bout, je vais aller au bout des choses, je vais être consciencieux, tout ça, mais... je ne pense pas que je vais apprécier. Ah ! Mais il sort d'où, là ? Il y en a un milliard, putain ! Surtout, je reste convaincu, hein. Je reste convaincu qu'il va y avoir un labo secret dans le sous-sol du train. Ah, nom de Dieu là. Nom de Dieu. En vrai, j'ai manqué le truc de sauvegarde. On va voir. Ah, formidable. J'ai passé le truc de sauvegarde. Wait. Pourquoi je reviens là en plus? Oui, je sais pourquoi je reviens là. Ah non. Pour descendre dans le sous-sol du train. Eh ouais. Et en plus, on va à deux. Oh, je sauvegarderai plus tard. Trop de trucs à ramasser. Et trop de trucs à ramasser. Oh yeah. Trop de trucs à ramasser. Eh hey, toi. La mule. Tout. Non. Voilà. Bidon d'essence. Je vais pas y arriver. Je vais pas arriver à me mettre. Quoi? Échangeur.
Je vais pas y arriver. Je vais me healer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Anneau d'or. Ah! Ce qui veut dire... qu'il faut que j'échange art. Ça avec ça. Que je combine art ça avec ça. Que je rééchange art ça avec ça. Oh mon dieu! En plus, si on y réfléchit, peut-être. Un fusil à pompe! Ouais, ouais, ouais! Ah non, c'est un arc. Un grappin! Oh, mais oui, tous les trains ont un grappin. Il y a de la place. Bon, tu sais quoi? Échange. Totalita. Voilà. Utilisation du grappin. Avertissement, il doit servir qu'à l'inspection des toits difficiles d'accès ou à l'attelage de trains spéciaux. En jeu de grappin, utilisation. Lieu d'utilisation. À l'extérieur de la petite fenêtre, près de la porte du niveau 1, dans la route 3, se trouve une échelle. Appuyez sur la détente pour que le crochet s'approche en haut de l'échelle. Une fois le crochet en place, utilisez le treuil pour vous hisser. Attention, ce grappin ne peut hisser qu'une personne à la fois. Vous risquez de l'endommager si vous hissez au supérieur à 80 kg. Laisse-moi deviner, il n'y a que elle qui peut utiliser le grappin. Avec elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc j'ai un grappal. Partenaire particulier. Ouais, c'est un bon outil. Il y a de la place dans son arbre. Oh putain. Allez, tu vas drop ton coutal. Parce que putain, j'en ai marre de... Hein. Bouteille vide. Na 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 na
Aussi, je pense que je vais recommencer RE1 avec Gilles. Voir exactement ce qui change. Je suis curieux. Curieux. Comment ça? Je préfère. Salut. Il a l'air terrifiant. Oh là là, mais j'ai tout ce temps. Oulala. Ah putain, ça m'attaque! Je me doutais que ça serait de la merde. Le mec il est là posé tranquille, ouais. Ouais, super. Ouais. C'était où déjà? C'est là-haut? Je sais plus. C'est là. Lui il les écrase carrément. Bah les couilles, moi je les écrase. Alors, mais bouteille vide, combinard. Bonsoir au repos, décide. Ça va? Smile. Examinard. C'est une boîte à biche. Waouh! Alors RE, tu l'as fini? Oui, j'ai fini RE. J'ai fini. J'ai eu un boss de fin terrifiant. Examinard. Maturé du SKR. Ouais, non, mais ça c'était normal. Le mec il est en mode. C'est magnifique! Ah, dans le bide. Alors, faudra m'expliquer. C'est une mallette en cuir. J'ai déjà eu des mallettes en cuir dans la main, dans ma vie. Il est parfaitement possible de passer la main par le côté pour tâter ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il n'y a qu'une carte. Ça aurait été parfaitement possible de passer la main à l'intérieur. Prendre la carte, sortir la main, sans se faire chier avec des putains d'anneaux. Mais voilà. Wow. Jimmy Lewis. Wow. Portez ton locomotive.
Mao. Je vais aller sauvegarder. R0 déjà fait, mais il y a longtemps. Ah bah du coup, moi je l'ai jamais fait. Je ne connaissais pas. Je veux pas connaître. Et pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Par contre, c'est chiant de devoir tout le temps remettre le partenaire en équipe là. Il peut pas être automatiquement réglal. Bordel. Non mais tire pas hein. L'autre elle veut tirer au fusil sur des petites merdes. La logique du PNJ, la logique du jeu, la logique de cette puissance inexistante. Il faut que je passe sur ma droite. Oui oui, sur ma droite, vous l'avez bien entendu, sur la droite. Du coup YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode. On se revoit dans le prochain épisode. Salut.